Ça fait 45 minutes. Sans joke, 45 minutes que je suis en train de faire le setup de la vidéo. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est une vidéo de bouffe. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait une. La première vidéo, je vais vous la mettre juste ici. Je faisais des biscuits vegan. Puis aujourd'hui, je reproduis ça, mais je change la recette. Parce que ça me tente peut-être de faire quelque chose de différent, mais ça me tente pas non plus de faire un gâteau. Tu sais, on va rester dans le simple. Fait qu'encore une fois, je vais essayer de pas brûler ma maison parce que là, mes parents sont pas là puis ils reviennent pas avant comme demain. Fait que on va essayer de pas passer au feu cette fois-ci, ça serait fun. Fait que moi, ma recette, c'est elle de Bob le Chef. Puis il y a plusieurs ingrédients que j'ai pas. Fait que je fais comme les switcher avec d'autres ou juste que c'est facultatif, fait que je les mettrai pas. Fait que la margarine vegan, ça je vais remplacer ça par de l'huile. Du lait de soya au chocolat, j'ai du lait de cachou. Puis je mettrai juste pas des pépites de chocolat et des noix de macadam. Je pense pas que c'est nécessaire. Fait que. C'est ça, on va commencer! Ok, donc là je suis allée partir le four et je l'ai parti pour de vrai cette fois-ci. Hein? On se rappelle la dernière fois. Le four, il est. What the f, le four il a pas fonctionné? Ok, fait que ça dit dans un bol mélanger la margarine, la cassonade et le sucre. Fait que là, la margarine, c'est de l'huile. Fait que là. Ok, fait que j'ai pris de l'huile végétale, mais je pense qu'on s'en fout un peu. Fait que là, ça dit 2 tiers de tasse. Ok. Ok, dans un bol mélanger la margarine, la cassonade. Il y a plein de moutons là! Je pensais que la petite tourteau ça allait fonctionner. Ça se passe pas bien. J'ai mis 2 ingrédients puis j'étais déjà en train de rusher. Ok, il est 3h15. On va calculer combien ça me prend de temps, ok? Mais lui, il dit que ça va prendre 10 minutes de préparation. Mon œil, toi, 10 minutes. J'ai déjà à 5, j'ai mis 2 ingrédients. Ok, fait que là. Wesh! Là. Après ça, 1/3 de tasse de sucre. Là, ça dit dans un bol mélangé. Ok. Me ferai pas avoir, m'en prendre une fourchette. Ok, c'est parce qu'une espèce de grosse boule, hein. Moi, dans mon truc, là. Ajouter la boisson de soya et la vanille. Mais c'est dans le même bol? Ouais, ok. C'est parce que mon bol est f*** petit, là. Ça rentrera pas, là, hein? Même problème que la dernière fois. Là, la vanille, c'était 5 ml. 5 ml, c'est combien, ça? Oh mon dieu, je suis tellement pas dente de que ça file, là. Ah, c'est dégueulasse! 5 millilitres, c'est... Hey, je m'en fous là, moi, que c'est 0,005 litres, là. Équivalent en cuillère. Non. One teaspoon is about equal to 5 millimeters. Ok, one teaspoon. Cuillère à thé, one tea... Ça, de farine, de vanille. Faut-tu checker la vanille? Moi, j'ai toujours checké ça. Sûrement pas parce que ça fait rien. Ok. Oh mon dieu. Oh, c'est parfait. Fait que là, on est-tu fini? On peut-tu mélanger là? Parce que c'est dégueulasse. On dirait qu'il y a un chien qui a vomi dans mon bol. Incorporer la farine qui est faite dans un autre bol. Tu mets. Fuck! C'est parce que là, ça rentre pas dans ça. Fuck! C'est parce que tout ça peut pas rentrer dans ça là. Ça va déborder là. Ok, hey, là, juste pour les gains de la cause, je vais juste mélanger parce que c'est... Hey, l'huile ne remplace pas la margarine. N'essayez pas ça à la maison, ok? What the f***? C'est dégueulasse. Juste vous donner une idée de quoi ça a l'air en ce moment. Genre... Qu'est-ce que c'est ça? Le four est prêt! Incorporer la farine. 2 tasses et demie de farine. T'en as pas assez! C'est moulaille!
gueule. Fait que là, on avait besoin de combien de farine? 2 tasses et demie de farine, ok. 2 hours later. Est-ce que vous êtes toujours là? Je tiens à dire que ça fait 15 minutes. On a dépassé le temps que c'est censé prendre. Une pince Excel et on est done! C'est une grosse pince Excel, ça. Fait que là, tu incorpores ça dans ça, c'est parce que ça rentrera pas, là. Est-ce que c'est une joke, là? Esprit-moi, j'en prends pas de mes erreurs, hein? OK. Mais si c'est incorporé, c'est du graduellement. Tout tombe à côté, c'est sûr, hein? Hey, c'est pas si pire, genre, on s'en vient à quelque chose. Hey, c'est motonneux, cette affaire-là, là. Ça se passe pas bien, là. J'ai sauté une étape ou... Ben non, hey, même pas. C'est-tu si poche que ça? Oh! Je pense qu'on a quelque chose, là. Yes! Bienvenue à Job de bras, saison 2. Si vous comprenez pas la référence, allez checker ma dernière vidéo de bouffe. Ah, c'est pas si bon, là. Tu sais, habituellement, là, des pâtes à biscuits, là, c'était bon quand c'était cru, mais là, c'est dégueulasse. Ajoutez les pépites de chocolat. Oh, mais j'ai des noix. Oh, est-ce que je mets des noix? Hey, yo, non, mais j'ai de la noix de coco, là. Attends, mais je peux pas genre gâcher la recette parce que je mets de la coco, là. OK. Hey, ça là, c'est une victoire. Est-ce que c'est un petit peu meilleur? Ok, c'est toujours aussi dégueulasse, mais au moins il y a de la coconut dedans, en plus, ça remonte. 12 seconds later. Mais c'est pas si pire finalement, là, comme. Tu sais, peut-être parce que je m'habitue, mais. Ça, je vais ranger ça tantôt parce que là, ça nous tente pas, hein. En fait, ça ne tentera jamais, mais c'est pas grave. Fait que là, ça. Ok, fait que là, lui, il dit façonner des boules d'environ 2,5 cm de diamètre et déposer sur une plaque à biscuits. On va dire que c'est 2,5, là. Je tiens à dire que ça fait une demi-heure que je suis en train de faire ça, puis ça c'est censé 35 minutes. En tout cas, faut pas que tu sois pressé pour faire ça, hein. Hey, c'est dégueulasse, ça manque, c'est huileux. Genre, ça aurait clairement pas fait ça avec la margarine, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Je pense qu'il va falloir que je fasse 2 batchs parce que là, parti comme c'est, il y aura pas de place dans la plaque. Hey, si le téléphone sonne, je pense que je suis même pas capable d'attraper le téléphone dans la même maison huileuse. Ok, c'est parce que lui, ça lui fait faire combien de biscuits, hein? Une quinzaine de biscuits. 1, 2, 3. J'en ai 12. On va les casser un petit peu. Il y a des spots d'huile. Ok, mais c'est parce que ça va me faire plus que 15 biscuits là, avant là. Ok, non, je vais les remettre. Puis on va faire 2 batchs. Oh. Ok, je vais laver les mains là. Ok, fait que je finis de ranger le stock, puis on se retrouve quand les biscuits vont être prêts. On voit que moi dans la vie, couper du papier parchemin, c'est pas ma force. Et c'est parti pour d'autres mains grasses! Hop dans le four! Le pire avec les bols transparents, c'est que ça paraît si t'as pas bien lavé. Fait que là, j'ai presque plus de batterie parce que comme je vous ai dit, ça fait genre 8 ans que je suis en train de faire des biscuits.
Fait que je vais. Là, je vais les mettre. Je vais sortir l'autre batch de biscuits au. L'autre batch de biscuits du four. Puis je vous retrouve après! Fait que test de goût, c'est là que ça se passe pour vrai. Ok, au début, c'est pas tant bon, mais vers la fin, c'est bon. Mais comme. Attends, je vais essayer avec du lait. Ouais, non, ce lait-là, il est comme pas tant bon. Ça goûte un peu le carton, là. C'était dégueulasse. Comme le lait de cachou, là. Je suis pas capable. Hey, mais je comprends pas qu'est-ce que ça goûte. Mais ça goûte tellement pas bon, là. En plus, c'est des cachous, c'est genre mon marceau de noix préféré. Fait que je me suis dit, ça va être bon? Non. Fait que là, je suis pognée avec un 2 litres de pain de lait que j'aime même pas. Fait que voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit j'aime, un commentaire et vous abonner et activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Fait que voilà, merci d'avoir écouté et on se revoit le plus tôt possible pour une prochaine vidéo. Bye! Such a whirlwind since I saw you. Oh, you. Oh mon Dieu! C'était prêt? Je m'en étais jamais aperçu quand t'as changé, quand t'as marqué chanter fort. Wow! Je vais, tu vas, il va, elles vont, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. J'ai un gros TDAH. Mais je m'en fous, car je m'amuse en faisant la vaisselle et ça c'est rare.